J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve sur Roblox. On va se faire un petit Roblox. On va travailler dans une pizzeria. On va faire livreur, fournisseur. Qu'est-ce qu'il a, lui, en klaxon? Voilà. On va faire... En fait, il y a pas beaucoup de trucs à livrer. Si on veut livrer des boîtes. Un peu plus loin sur la place, la gendarmerie contrôle. Du fromage. 19. Mince, on m'a coûté. Oh, je suis pas mettre. Hop, on a tout plein de trucs. Putain, il y en a un qui me klaxonne là. Il est tué, tu vois. Cette page trésor dorénavant, avec vous, cette page trésor à la maison pour les jours qui viennent.
raconter ce que vous faites chez vous. Envoyez cette vidéo sur l'adresse qui apparaît à l'antenne, 13hmaison@stf1.fr. Vous l'envoyez par mail, des petites vidéos, des témoignages. Envoyez-nous ça pour, surtout en prenant voilà. Votre téléphone. On va livrer tout ça. Les saute. Avec le Nicolas Gros Santé et Bonne Magie dans les jours qui viennent. Donc 13hmaison@stf1.fr. Alors, ne pas rester dans son canapé, Gaël Charnay, bien vous le dire, il faut faire des activités. Quelles activités? Et encore tout, mais blé, on va falloir. C'est bon, ça bloque pas. Ça n'a pas l'air. Oh. Ça fait du bien de prendre l'air, ça c'est sûr. Ah non, c'est bon. Ok, donc le pas mal. Je cours avec lui dans le jardin, donc on tourne un petit peu en rond. Mais ma foi, bah, après, ça fait du bien de toute façon qu'on va faire autrement. Donc, plus de sorties en centre-ville, plus de balades à la campagne. Pour faire du sport, la consigne est claire, il faut rester chez soi. 18 mètres de culture à l'estiver. C'est un excellent travail physique. Sans travailler les jambes, sans travailler pas trop les dos, parce que c'est pas ça, je suis un peu plus grand que la voiture. Oh là là là, le carnage. Le carnage, tout. Mais pourquoi ils font ça? Putain, c'est con. Dans deux shows, il y a quatre trucs à prendre. Hein. Qu'est-ce que je dis? Je lag. Voici quelques vidéos pour vous donner des idées. Tous les matins de 11h à midi, c'est sport. Avec mes frères et sœurs, on crée une activité en fonction de notre spécialité. Donc, et aujourd'hui, c'est moi avec vous. C'est parti! De la gym entre frères et sœurs, histoire de partager aussi de bons moments. On finit par un peu de renforcement musculaire pour garder la forme. Et c'est terminé. Je vais devoir m'y mettre au sport un jour ou l'autre. Alors, avant de retrouver Jacques Legault, je voudrais vous dire quand même ma tristesse ce matin et la tristesse de tous ceux qui ont travaillé avec lui il y a quelques années. Hier, la mort de Patrick Lebet. Il a été notre patron pendant 20 ans, un immense patron que j'ai eu la chance de côtoyer. Je lui dois à toute ma carrière aussi, un patron emblématique de toute l'histoire de TF1, Martin Bouy, Gilles Pélisson, tout le monde, grand hommage, et nous aussi, avec Corinne. Artisan de la privatisation de TF1, il va hisser haut les couleurs de la chaîne. En capitaine d'un navire amiral, l'ex-ingénieur breton passionné intransigeant assoit son règne sur le paysage audiovisuel dès 1987. Nous gagnons des gros points d'audience et c'est ce à quoi nous allons nous employer. Martin Bouygues salue aujourd'hui l'homme de conviction. Pendant 20 ans, avec la confiance de Francis Bouygues et aux côtés du journaliste Étienne Moujotte, qui rend hommage à l'homme très cultivé. Patrick Lelay pilote cette Formule 1 en pole position. La chaîne dépasse régulièrement les 40% de parts de marché et se hisse sur la première marche du podium des chaînes européennes. Beaucoup de fierté d'ailleurs pour nous tous à TF1. Il a remporté le rang du meilleur directeur ou chef de télévision. Gilles Pélisson, l'actuel président de TF1, évoque le visionnaire, audacieux, la une. Comme on disait à l'époque, c'est Arthur Drucker, Sinclair, de Chaval, Hulot, Dorothée, Coé, Nikos, ou encore Foucault, qui salue le chef intransigeant, mais juste. Le mot audience et recette publicitaire sont les têtes de chapitre de sa Bible professionnelle. Dans sa manche, la création, la télé-réalité, dans sa vitrine, les journaux de 20h et de 13h. En 2008, il quitte le groupe TF1. À ce jour, sa réussite médiatique est unique. Un immense patron, on pense bien sûr à sa famille, à ses enfants. Alors, on arrive avec si souvent et si longtemps travaillé avec nous aussi. Patrick Lelay avait 77 ans. Voilà, Jacques. On se rencontre demain, cher Jacques. Bien sûr, merci beaucoup, Jean-Pierre. Et j'ajoute que Patrick Lelay, je lui dois aussi. Moi, avec Étienne Moujotte, d'être un jour entré à TF1, c'était il y a pas mal d'années là aussi. Merci Jean-Pierre, à demain. La bourse de Paris, elle est en baisse alors qu'il est.
moins 0,46% à 3737 points. Dans cette ambiance quand même pesante, il y a de bonnes nouvelles, la naissance de deux bébés TF1. Anouchka Fieler qui a donné une naissance, une petite victoire, et Alexia Maillère, une petite Olympe, que les filles, même à distance, on les embrasse très très fort. Et puis n'oubliez pas, tout sur le coronavirus cet après-midi, c'est sur l'antenne de LCI, Canal 26. Voilà, dans un instant, la météo très ensoleillée, comme pour faire exprès, David Delia. À 20h, Gilles Boulot. On se quitte sur ces tonnerres d'applaudissements qu'on entend aujourd'hui partout, chaque soir dans les rues, à 20h, en hommage au personnel soignant, particulièrement éprouvé en ce moment. Bon après-midi, restez chez vous, c'est important. Non, non, j'aurais cru qu'il y aurait eu des voitures. Bah non, mon gars, tu vas te dépêcher, bah c'est bien. Ça va pas prendre un moment. Et ouais, chat. Oh putain. Et j'espère que je vais bientôt avoir mon pays. C'est bien, il se dépêche. T'arrêtes de jouer, moi. Au revoir.